fille. Ça alors, on a fini la course. Wouhou, on a franchi la ligne d'arrivée. Votre attention, la course n'est pas terminée. Il reste encore une dernière épreuve de groupe à disputer. Oh, une épreuve supplémentaire? Décidément, on va de surprise en surprise. Et cette ultime épreuve consistera à répondre à des questions sur le sport. Ouh. Oh, qui veut faire équipe avec moi? Qui est la plus qualifiée, Do? J'ai une amie qui adore le sport et qui est incollable sur le sujet. De qui s'agit-il? D'Alana! Aide-moi à l'appeler, elle sera ravie de pouvoir participer. Dis Alana! Encore! Alana! Je suis là, j'arrive! Youpi! Ouf, te voilà! Cool! Heureusement que tu es là, j'ai besoin de toi pour réussir la dernière épreuve. Tu veux que je t'aide? Mais Dora, je ne peux pas, et ma cheville? Ce n'est pas un problème. Non, tu n'auras aucun effort physique à fournir. On a besoin de tes lumières. Oui, je peux faire partie de l'équipe, remporter une épreuve et vous aider à gagner la course. Oui, we can do it, Alana. Yes, all together. Yeah, you can do it, yes, my friend. You can do it. Bonne chance, bonne les chance. Filles. Mesdemoiselles, je vais vous poser deux questions à chacune et vous n'aurez droit qu'à une seule réponse. Première question, il faut chausser des patins. Pour pratiquer ce sport seul ou en équipe, on doit danser sur la glace et faire des figures acrobatiques. De quel sport s'agit-il? Du patinage artistique. C'est une bonne réponse. Yeah. Yeah. Question suivante. On joue à 5 sur un terrain. Avec un ballon, il faut dribbler et prendre l'adversaire de vitesse pour marquer un panier. De quel sport s'agit-il? Du basketball. Et c'est une deuxième bonne réponse. Il n'y a que deux réponses à trouver. Voici la troisième question. Ce sport se joue avec une batte et un gant sur un terrain qui a la forme d'un diamant. Si on envoie la balle très loin, on peut marquer des points. De quel sport s'agit-il? Oh, du baseball. C'est exact. Oui. Attention, voici la toute dernière question. Et c'est au tour d'Alana d'y répondre pour remporter la course. Oh, je n'aimerais pas être à sa place. Reposer sur ses épaules. J'espère que ce serait une question facile. Oh, Dora, pourvu que j'y arrive. Je ne voudrais pas qu'à cause de moi, l'aire de jeu reste fermée. Ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Alana a le trac, elle manque de confiance en elle. Que faut-il lui dire? You can do it. Aide-nous à l'encourager. Allez, you can do it. You can do it. You can do it. Je suis prête. Dernière question, concentre-toi. Sur un grand terrain, on se fait des passes, on dribble et on essaie de marquer des buts avec ses copains. Mais attention, c'est un sport qui se pratique uniquement avec les pieds. N'utilise surtout pas les mains. De quel sport s'agit-il? Du football. C'est la bonne réponse. Vous avez gagné la course. Ouais. Vous avez réussi. Vous êtes des championnes. Ouais. J'étais sûre que tu y arriverais, Alana. Hourra. Youhou. On forme une super équipe. Bonne nouvelle. Comme toutes les équipes ont franchi la ligne d'arrivée, la municipalité tiendra sa promesse et rénovera l'aire de jeu. Ouais. L'aire de jeu. Est-ce qu'on pourra bientôt retourner jouer à l'aire de jeu? Oui, il y aura d'abord des travaux, puis on pourra tous y retourner. Oh, les amis, merci de m'avoir remplacée au pied levé. Vous avez vraiment été formidables. Toi aussi, Alana, on forme une super équipe. Avec toi, le succès est au rendez-vous. All together. Chante avec nous. Hey, hey, hey. Ensemble tous pour un, c'est le meilleur moyen. Chacun est de chacun. Tous pour un, on a fait du vélo et trouvé des rimes. Tous pour un, on a ramé dans la rivière, attrapé des fruits. Tous pour un, chacun y a mis du sien, c'est important. On pourra rouvrir l'aire de jeu pour tous les enfants. Avec toi, le succès est au rendez-vous.